Salut, c'est Louise Chen de Snatch Magazine pour H&M Loves Music. On est aux 37e rencontre des transmusicales de Rennes, un festival qui a pour vocation de faire découvrir des talents tous les ans. Et on a rencontré son programmateur, Jean-Louis Brossard, mais aussi les danseuses du crew Swaggers, l'artiste anglaise Georgia et une petite surprise, Girls, Girls, Girls. On est à la 37e édition de ce festival qui a quand même une vocation un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est d'abord un plaisir de programmer les groupes que j'aime et d'où qu'ils viennent, quelques musiques qu'ils fassent. Voilà, c'est ce qui fait un peu l'esprit des transmusicales. Et l'esprit, c'est aussi de beaucoup être à l'avant-garde, d'être précurseur, d'être défricheur de talent. J'aime les premiers concerts. C'est-à-dire que souvent, je vais booker un groupe qui n'a jamais joué en France, souvent pour les étrangers. Des fois, ça va être leur tout premier concert. C'était le cas de Code Superpose et Dream Koala il y a deux jours. Donc, c'est des fois des groupes, ils n'ont même pas un disque non plus. Enfin, tu vois, donc voilà. Moi, j'aime être dans la première histoire, la première rencontre. Ça, c'est important pour moi. Santo Gold, c'était vraiment superbe. On a fait LCD Sound System, Django Django, évidemment Daft Punk au tout début. Portishead, Lenny Kravitz, Nirvana et bien d'autres, quoi, dans Grande Résistance. Bon, il y a beaucoup d'artistes. Alors là, c'est un peu les plus connus, mais il y en a d'autres qui ont fait des concerts absolument exceptionnels, qui sont moins restés peut-être dans les mémoires du grand public, je dirais. Meilleur souvenir. C'était un de Grande Résistance, la première fois, parce que je découvrais la techno en faisant la première rêve, quoi. Donc, c'est un grand souvenir, oui. S'il fallait résumer les trans musicales en trois mots. Trans, musique, al. Fantastique. Navette. Inattendu. Peu de sommeil. Super rencontre. Éclectisme. Saucisse. Oestas. Originalité. Fatigant. Charmé. Émotion. Bonne ambiance. Claque. Découverte. Cashless. Pretty big. Exceptionnel. La teuf entre potes. Un peu fatigant. Transversalité. Bar VIP. Super sympa. Bonjour Marion. Bonjour Louise. Alors toi, tu fais partie d'un crew qui s'appelle les Swaggers. Vous n'êtes pas un groupe de musique, vous êtes un groupe de danse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ? Alors on est un groupe de danse, ouais, à la base on est même un crew de danse. Un crew, c'est-à-dire qu'on s'était formé pour faire des battles et jammer un peu ensemble. Et puis on s'est mis à la création depuis 2013. Et on a fait un spectacle qui s'appelle In the Middle, qu'on a la chance de jouer aujourd'hui, ce soir et demain au Transmusical de Rennes. Moi, je suis curieuse de savoir, vous avez un costume de scène, parce que j'imagine pour la danse, vraiment le vêtement, ça doit être vraiment très important. Bah, pour nous, c'est super important parce que déjà dans la vie, on est un peu des sapeuses. Donc sur scène, il faut aussi que ça reflète ce qu'on est dans la vie. C'est important aussi parce qu'on danse dans la vie, il faut que ce soit organique avec le corps, que ce soit joli, que ça accompagne les mouvements, que ça boycotte pas le mouvement, etc. On a des jolis pantalons bleu marine, mais bon, on les a pas toutes là, mais des jolis pantalons bleu marine taille haute avec des bodys. À la base, on a des espèces de petites, des chemises assez amples, mao, bleu marine aussi. On a tout un espèce d'uniforme bleu marine avec des grands chapeaux bordeaux. Et ce soir, on aura des grands trench à la place des tuniques. L'inspiration que j'avais à la base, même si on s'en est éloigné, j'adorais la silhouette un peu Grace Jones, tu vois, très graphique, des lignes. Grace, elle a ce côté très masculin, très androgyne et très féminin en même temps, et les grands chapeaux, la taille en V, les épaulettes, les longs pantalons taille haute, voilà, c'était une de mes inspirations. Simple, graphique et élégant. Quel artiste est-ce que t'es venu voir au trans cette année ? Darius. Powell. Three Sam Sisters. Ur. The Mechanism. Steven Seagulls. Girls, Girls, Girls. Louise Rome. The Wolf. Warhackles Band. Alex Stein. Jacques. Raving George. Mary B. Superpose. Hook Malum Cool Cat. Bing Beats. Vandal. Monica. Apollonia. Les Grandes Zéro. Vintage Trouble. Charlotte De Witt. Totoro. I actually noted, like, you said something on stage, you broke your drum, and you're like, oh, I always break my drum on stage. I'm a very powerful woman. I absolutely love that, and because I think you can really be an inspiration for girls, but not just girls, like any young person starting music, you know, because you started so young. What kind of advice would you have for someone that would, you know, was looking to pursue a career in music and maybe making an album? I mean, just believe in yourself, and if you feel, you know, like you have the ability and the passion and the drive to do it, just don't let anyone stop you, you know, and keep doing it. And I know that's really simple advice, but it really is the best bit of advice. I mean, you know, it's not easy out there for female musicians. It really isn't, especially if you're going in for session musician, you know, whatever field. And you know, I think just keep going. Don't rush, develop your skill and
you know, just keep going. I think that's what I did anyway.